premier match de la saison pour la Ligue nationale de Speedway qui oppose Marmande à l'Aréole. Dès le coup d'envoi, Dimitri Berger va s'imposer à domicile. Il montre la voie, mais son équipe, à court de préparation, va laisser filer les points dans les manches suivantes, à l'avantage de l'Aréole. Le jeune espoir du speedway français, Dimitri Berger, va pourtant aider Marmande à s'accrocher. Trois victoires en trois manches, jusqu'à la confrontation face au champion du monde de long track, Mathieu Trésarieux. Ce sera la seule défaite du Marmandais dans ce match. Mathieu Trésarieux, pour l'Aréole, emmène son équipe à la victoire pour cette première sortie de la saison. Avec 10 manches gagnées pour l'Aréole contre 5 pour Marmande, le score est sans appel, 38-51. L'Aréole remporte le premier match et s'inscrit en tête du classement. Bon, mais voilà, l'année dernière, on avait déjà roulé contre eux. Ils n'avaient pas un super niveau et cette année, c'est pareil aussi. Donc voilà, on est meilleur et puis on le restera. Ah, mais le fait de rouler en équipe, hein, j'ai déjà vécu ça auparavant parce que j'ai roulé pendant 6 ans en Angleterre en tant que professionnel. Donc je connais un petit peu comment il faut procéder. Et donc voilà, on parle des réglages ensemble, de la piste. Je les aide à régler leur moto pour qu'ils soient le mieux possible sur leur moto. Et puis voilà, on s'encourage, on s'entraide. Des trajectoires, comment faire. Enfin voilà, c'est un sport d'équipe, donc c'est vrai que c'est plus sympathique que l'individuel. Pour suivre la suite du championnat, rendez-vous sur Facebook et sur le site de la Ligue nationale de speedway.